Le passage du Cap Horn, c'est comme une libération. Ça fait cliché, d'accord, mais c'est tellement vrai, cette impression de revenir de tout. Et pour certains, c'est encore plus vrai que pour d'autres. Voilà, c'est un moment, un vrai moment pour moi. Là, celui-là, on l'aura pas volé, je vais vous dire. Et donc, en 82, ben, je passais le Cap Horn avec Eric Tabarly sur Euromarché. En 2004, je passais le Cap Horn avec Bonduel. En 2008, je passais le Cap Horn avec Vincent Rioux sur PRB, puisque VM Matériaux était malheureusement chaviré. Et là, en 2013, on passe le Cap Horn avec Synertiel et je peux vous dire que je suis bien content. Voilà. Il y a des fois où ça m'a rien fait, mais là, ce coup-là, ça va. C'est bon. Mais le Horn est curieux. Alors que l'on pense que le plus dur est derrière soi, il est peut-être devant. Thomas Coville, 6e du Vendée en 2000 et des Tours du Monde en pagaille, c'est de quoi il parle. On a l'impression, en passant le Horn, comme Jean le disait tout à l'heure, que c'est fini. Mais non. En fait, c'est loin, loin, loin d'être fini. Cette Atlantique, elle est hyper, hyper longue. C'est un chemin de croix. Parlez-en à Jean-Pierre Dick, qui a vécu hier, selon ses termes, sa pire journée en mer de sa vie. Il a failli perdre son mât, il a perdu beaucoup de terrain, et à 16h, il est 3e, à un peu moins de 450 000 de la tête. La tête, François Gabart la tient bien. Car mine de rien, il creuse, il a dorénavant un peu plus de 100 000 d'avance sur Armel Le Cléache. Et si la course se joue en ce moment ?